Salut tout le monde, ici iPlay4U, 20e épisode de mon Let's Play sur le jeu de Thème Hospital. J'espère que vous avez regardé l'épisode précédent, alors ne vous inquiétez pas, hein, le jeu est en pause, hein, c'est normal si c'est encore flouté. Voilà, dans l'épisode précédent, bah écoutez, je sais pas trop ce qui s'est passé, on a commencé un tout nouveau scénario et c'est parti en sucette complètement, je me suis fait virer, c'était le bordel, ma réputation est descendue à zéro, il y avait un monde pas possible, de la gerbe un peu partout, bref, c'était chaotique ce que je vous propose. On va tout de suite, hop, j'enlève la pause, on va tout de suite, bah écoutez, reprendre le scénario à zéro et faire en sorte que cette fois-ci ça aille beaucoup mieux. Pour ce faire, voilà, j'ai passé la vitesse au minimum. On va tout de suite, voilà, embaucher le personnel compétent pendant qu'il est disponible et avant de me le faire piquer par mes concurrents. Bon, voilà, c'est pas terrible, mais ça c'est bon. Allez, on va embaucher aussi travail avec zèle. Voilà, toujours disponible, c'est bon. Voilà, on embauche dès le début. Dès le début, comme ça je suis tranquille, je suis sûr de ne pas me faire piquer. Fais preuve de beaucoup de dévouement. Allez, pourquoi pas, adjugé vendu. Et toi aussi. Allez, parfait, on y va. On va tout de suite, donc je vous dis, commencer à faire les choses correctement. En construisant ici une réception, une autre ici pour les urgences. Alors, ce qui avait péché dans l'épisode précédent, si vous l'avez regardé, c'était la médecine générale qui était totalement saturée. Mais alors, totalement saturée. Donc, du coup, on va pas se faire piéger dans cet épisode là on va en faire 4 d'un coup dès le début parce que bah parce que c'est ce qu'il va falloir, pardon, je bafouille un peu, pour gérer le flux massif de patients qui vont arriver, vous allez le voir d'ici peu. Et voilà, donc 4 médecines générales pour dispatcher tout ça. Et on va aussi essayer de moins serrer parce que dans l'épisode précédent c'était le foutoir. Il y avait pas assez de place, tout était encombré. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis fait virer. Donc cette fois-ci, on fait les choses sérieusement. Voilà, on fait 2 par là et 2 par là. Comme ça, je peux vraiment gérer les flux comme il se doit. Hop, hop, hop. Alors, on met toujours un radiateur dans chaque médecine générale. Comme ça, les patients se sentent au chaud. Et ils sont contents et ils reviennent chez vous. Voilà, on va vraiment essayer de ne pas se planter dans cet épisode, de faire les choses calmement, proprement, avec de l'espace. Parce que j'ai de la place finalement dans cet hôpital. On peut acheter beaucoup de dépendances et du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Un radiateur, je disais. Du coup, j'ai beaucoup de place, donc autant en profiter. Et voilà, allez, on va acheter des chaises. Non, vous savez qu'on va tout de suite placer en un premier lieu 2 distributeurs, 2 radiateurs. Ce sera beaucoup plus facile à gérer comme ça. Voilà, un distributeur ici, un distributeur, un radiateur, un radiateur. Voilà, tout le reste, ce sera des bancs. Voilà, je vais en acheter plein. Regardez, on va prendre de l'espace. On va prendre de la place cette fois-ci, on va faire ça bien. Hop, hop, hop. Là, est-ce que je peux en mettre là? Voilà, si je peux en mettre là, j'hésite pas. C'est pareil en face. Alors, je vais pas en mettre là parce que ça va boucher le chemin. Toc. 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 Et ben voilà, c'est pas mal tout ça. Là, c'est pareil. Regardez ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va mettre pas mal d'espace pour les bancs. Toc, toc, toc. Et on va en refaire ici. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de correct cette fois-ci parce que je sais qu'il va y avoir du monde. Ça va être surchargé. Donc, il faut pas que je me loupe. On va aussi, pareil, pas se faire avoir en faisant des pharmacies, puisque vous vous en souvenez, si vous avez regardé l'épisode précédent, je crois que je l'avais zappé dès le début, et du coup, je m'étais confronté à une urgence sans pharmacie, et sans fracture aussi, sans salle de fracture, et c'était n'importe quoi, en fait. C'était n'importe quoi, donc voilà, cette fois-ci, on se fait pas avoir. Je me suis fait virer une fois, ça suffit. Hop, on va en faire une deuxième. On va en faire une deuxième. Je vais essayer de tout faire en double parce que je sais qu'il va y avoir énormément de patients. Et si je veux traiter les urgences dans de bonnes conditions, il faut vraiment que mon hôpital soit au top de la technologie. Et ça passe par un équipement en double. Voilà. Allez, on rajoute des bancs, encore des bancs et toujours des bancs. Et quand je saurai plus quoi faire, eh ben je continuerai à installer des bancs. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Évidemment, au milieu, il faut
Il faut des chiottes, il y a plein de trucs à faire. Il y a vraiment plein de trucs à faire. On va faire la salle de diagnostic au milieu, mais on va espacer beaucoup plus que ce que j'avais espacé dans l'épisode précédent. Regardez, on va faire un truc comme ça. Hop. Voilà, ça sera pas mal du tout. Voilà, beaucoup plus espacé que ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. On va pas hésiter en termes de place. Il faut que mon hôpital soit prêt pour accueillir tous les patients. Et du coup, voilà, on utilise vraiment la place. Hop, on va faire des chiottes au milieu. Excusez-moi, c'est pas ça que je veux. Les chiottes, hop, ici. Des chiottes, on va les faire grandes, voilà. Et on va faire une salle d'opération aussi, dès le début. Parce que voilà, c'est une pièce qui est très régulièrement demandée. Hop. Et une poubelle et un radiateur. Voilà, comme ça je sais, ils seront vraiment contents d'être ici. Toc. Toc. Et toc. Le radiateur, si tu pouvais le mettre là. La poubelle ici, ce serait sympa. 1, 2, 3, 4. Et voilà, superbe chiotte de luxe. En plus, on va pouvoir poser plein de bancs tout autour. Je vais tout de suite faire la salle d'opération, puisque je vous l'ai dit, c'est vraiment une salle qui va être hyper utilisée. Et du coup j'ai besoin de la faire assez rapidement. C'est elle qui va aussi me rapporter énormément d'argent. Donc ne pas délaisser ce genre de pièces. Alors on met une poubelle, un radiateur. Hop. Et hop là, voilà, super, ok. Est-ce qu'il y a de nouveaux médecins? Regardez ça, un chercheur chirurgien, c'est parfait. Ouh, super, pour ma salle de recherche, lui il est top. On va d'ailleurs tout de suite, c'est pareil, ne pas se faire avoir, acheter ça pour faire la salle de recherche et puis on pourra ouvrir. Alors, salle de recherche, elle est là, voilà, parfait. J'ai un superbe chercheur en plus, donc... Donc c'est pas mal du tout. Hop, hop, voilà. Allez, c'est bon, on y va. Cette fois-ci, je vous le dis, ça va être top. On va mettre une poubelle, un radiateur. Comme ça, il pourra travailler dans de bonnes conditions. Et voilà. Allez, il est où le chercheur? Pop, 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 pop. Tiens, ce sera plus facile de le choper là-dedans. Très bien. Toi, ramène ton gras. Et va là-dedans. Ok, très bien. Il faut que je fasse le truc de base, c'est-à-dire gonflage et fracture, et on pourra ouvrir. Hop, voilà. Parfait. Hop, hop. Cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Poubelle, extincteur, radiateur. Allez hop, la totale. Alors, je fais pas de plantes parce que je vous dis, pas sûr que c'est vraiment une grande influence sur le jeu. Et pour finir, fracture, fracture. Donc là, j'ai une grande pièce là-haut, on va essayer de la garder. Là, j'ai une grande pièce ici, on va essayer de la garder. Et on va faire la fracture ici. Voilà. Ce sera nettement mieux pour la place. Voilà. Allez, une poubelle et un radiateur. Et on ouvre l'hôpital. Touc. Touc. Et touc. Allez, c'est parti. J'ouvre l'hôpital. Je mets la vitesse de jeu en normal puisqu'on était lent. Et voilà, c'est parfait. Je suis prêt pour accueillir les patients. Sachant, voilà, il me faudrait quelqu'un de compétent comme toi. Merci. Très bien. Ok, ça va sûrement taxer en termes d'argent. On va très rapidement perdre de l'argent. Mais là, j'ai un hôpital qui peut tout de suite accueillir du monde. Hop, hop. Là j'ai peut-être de la place pour faire une autre salle, donc on va la garder, cette pièce là. Voilà, on va pouvoir mettre plein de bancs en face, c'est très bien. Ok, super, on va acheter deux distributeurs, deux radiateurs. J'ai plus assez d'argent, oh là là, qu'est-ce que ça part vite, qu'est-ce que ça part vite, le pognon c'est assez... assez affolant, hop, hop, voilà, ok, allez. Cette fois-ci c'est parfait, il faut y aller, hein. Il faut y aller, il faut... Ah, j'ai peut-être pas embauché de...
Voilà, parfait. Ouf, j'ai eu peur. Ok. Il m'en faudrait peut-être une deuxième ici, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Fait toujours des histoires. Travaille avec zèle, d'une grande paresse. Ouais, elle sent le chou. Voyons que ça donne pas envie. Il y a trop de médecins, ouais. Il y a effectivement trop de médecins, ça c'est une certitude. J'ai pas de salle de repos. Mais ils seront tous au taquet pour accueillir les premiers patients. Voilà, est-ce que le chercheur travaille? Ouais, le chercheur travaille, il travaille très très bien. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. On va d'ailleurs s'occuper nous-mêmes des recherches puisque j'ai pas besoin d'amélioration. On va plutôt faire du matériel de soins. Voilà, ce sera mieux. Ok, très bien. Ah, j'ai pas énormément d'argent, mais avec un peu de chance, ça va arriver au fur et à mesure. Allez, 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 allez. Il me faut un peu plus de patients là par contre. Je vais être gentil, mais bon. Un médecin est demandé en salle de diagnostic. Il me faut un peu plus de patients. Voilà, ça y est, les patients arrivent. Salle de diagnostic, elle est posée, elle est là. Le médecin y va doucement mais sûrement. Et on va pouvoir commencer à facturer nos premiers patients. Ah là 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 là. Allez, allez. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est de trouver un autre chirurgien. Genre lui. Je peux pas l'embaucher. On va tout de suite emprunter. Parce que là, le chirurgien comme ça, il va m'en falloir. Voilà, parfait. Allez, j'embauche. Je vous dis, on fait pas de. On fait pas de complexe par rapport à ça. Puisqu'il nous faut, des médecins. Il nous faut des médecins compétents. Allez, 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 voilà. Les patients arrivent, très très bien. Allez, ce qui serait bien, c'est une petite urgence pour pouvoir... hop. Pour pouvoir obtenir un peu d'argent. Ce serait pas une mauvaise chose. Allez, 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 un peu d'argent là, s'il vous plaît. Une urgence, quelque chose. Bon, nouvelle maladie, c'est très bien. Voilà, on voit que ça commence à se remplir doucement mais sûrement. J'ai fait beaucoup plus d'espace, vous le voyez, que dans l'épisode précédent. Les couloirs sont beaucoup plus spacieux. Il y a de la place pour s'asseoir. Il y a des distributeurs. Il y a des salles de médecine générale, des radiateurs. C'est vraiment un hôpital qui, je l'espère... pourra satisfaire tout le monde. J'ai encore perdu de la réputation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug ou quoi? Je perds tout le temps de la réputation. Regardez ça. Je suis à 434. J'ai un hôpital parfait. Et j'ai ma réputation qui baisse tout seul, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Pop, pop, pop. Ok. Ça, c'est salle d'opération. On va pouvoir le traiter. Tailang, est-ce que je peux le faire? 3000. J'ai pas assez d'argent. Ça va arriver de toute façon. Allez, vas-y, va te préparer. Il est où le chirurgien? Il me faudrait un chirurgien genre toi. Voilà, parfait, il y va tout seul. J'en ai des chirurgiens, donc c'est pas un souci. On va surveiller la réputation parce que j'espère que je suis pas victime d'un bug. Elle est à 460, elle a déjà donc... Oh là là, elle est encore descendue. J'ai l'impression que c'est quand j'envoie en recherche... Hey, j'ai encore perdu 100. J'espère que c'est pas un bug. Il faut pas que je les envoie en recherche peut-être. Mais pourtant ça fait du bien. Regarde, je les envoie en recherche. Ouais, c'est assez bizarre. Alors, on va pas l'envoyer en recherche. On va le faire patienter pour voir. 392. J'espère que ça va pas descendre. Voilà, on va arrêter de les envoyer en recherche parce que j'ai l'impression que ça leur plaît pas plus que ça. Alors, les urgences ont été traitées? Déjà? Bon, ben voilà, c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. 392. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 tu fais patienter. Voilà, ça descend pas, c'est parfait. C'était sûrement la recherche. Ok, allez, on va essayer de faire Tailang.
Juste ici. Voilà, parfait. Hop, hop, hop. Pour continuer à prodiguer de très bons soins dans cet hôpital. Ah, j'ai plus d'argent. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. On se dépêche, on se dépêche. L'argent, l'argent. L'urgence devrait être résolue d'ici quelques secondes. Ça va me permettre, voilà, de gagner un peu d'argent. Ok, parfait. Toc, toc. Message au patient. Veuillez vous munir d'un chéquier. Ok, super. Première augmentation. Ah, une urgence. Parfait. Fracture. Très bien. Allez, on y va. Ça, c'est l'argent qui va rentrer, ça. Faire attendre le patient. 419. Apparemment, c'est les recherches. Ouais. Ça lui plaît pas, les recherches. Ça fait baisser la réputation. Bon, bah écoutez. Arrivée de patient souffrant de fracture. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Ok, toi tu y vas, il me faut une salle des malades. C'est ça qu'il me faut. Il me faut absolument une salle des malades. C'est sûr et certain. On va essayer d'emprunter un tout petit peu d'argent. À se méfier quand même. De pas trop trop non plus emprunter parce que ça peut vite dégénérer. Mais voilà, on va essayer de faire une salle des malades ici. Voilà, parfait, elle sera très très bien cette salle-là. Alors, un lit, on va essayer d'en faire trois, ça suffira. Poubelle, radiateur. Deux. Ah non, 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 il m'en faut un troisième, c'est sûr et certain. Là, il n'y a pas à chipoter. Un. Deux. Une infirmière est demandée en salle des malades. C'est pas vrai, je peux pas poser le troisième plumard. Ça, c'est pas cool, ça. Allez, on agrandit un peu. 1, 2, 3. Ok, cette fois-ci, c'est bon. Bon, je suis pas spécialement satisfait à 100% de la disposition de la salle, mais bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Oh, j'ai renvoyé le patient. J'espère que ça m'a pas fait baisser la répute. Ok, ça va. Bon, bah, ça va. Apparemment, j'ai trouvé le problème. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Ok, très bien. Très, très bien. Je m'aperçois qu'il y a quelques pots de bananes. Méfiance, méfiance. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ah, il me faut une salle de repos aussi. Il me faut une salle de repos. Ça va être vital. La salle de repos qui va être faite assez grande. Oh, j'ai tué un patient. Ça arrive. Voilà, une très très grande salle de repos. Alors, jeux vidéo, table de billard, télévision et deux sofas et un radiateur. Voilà, avec ça, je vais vous dire, normalement, je suis tranquille. Hop. Hop. J'ai pas fait le jeu vidéo. Ah si, voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal. Voilà, ça c'est une sacrée salle. Ok, 5 sur 5, très bien. Bon, par contre, l'argent, c'est pas terrible. Ok, c'est bon, ça y va. Allez, il me faudra un peu plus de patience, s'il vous plaît. Tiens, toi. Voilà, parfait. Ok, très bien. Bon, ben, vous servez à rien, puisque de toute façon... autant vous reposer un peu. Voilà, reposez-vous. C'est très bien. Les chirurgiens, pour l'instant, ne sont pas demandés. Donc, on les fait se reposer. Ok, les recherches. Ah, ben, les recherches, ça marche pas très bien, ça. Oh, va peut-être falloir y aller, les recherches, là. Oh là là, je perds vraiment beaucoup d'argent, par contre. Paf, dégage, on est à combien? 420. Bon, c'est pas terrible, la réputation. C'est pas génial. Alors, il est où, mon chercheur? Mon super chercheur, t'es là. Allez, va bosser un peu. Voilà, parfait. Alors, main moite. Bon, bah, ça y va, en tout cas, ça. Tac. Non.
Faire attendre le patient. Ok, très bien. Oh là 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 là, j'ai des problèmes d'argent. Il n'y a pas assez de monde. On en est où par rapport à... Ouais, j'ai une toute petite part de marché, dis donc. C'est pas génial. Hein. Et pourtant... C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est... Pas terrible tout ça. Thaïlande, là, Thaïlande. Qu'est-ce que t'attends comme ça? Ça se voit que t'es Thaïlande, là. Ah là 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 là. Là. J'ai pas découvert la maladie Thaïlande et du coup les gens attendent là. Ça me coûte de l'argent. Ah, une urgence, parfait. Allez, faut que j'y arrive. Cœur brisé, salle d'opération, on accepte. Il me faut cet argent. Y a pas le choix. Allez, le médecin chercheur, là, ce serait bien que tu me trouves ce qu'il faut. Médicaments, spécialisation, on va baisser un peu. Il me faut des médicaments. Matériel de diagnostic, ce serait bien ça aussi. Oh là là, il me faut tout en fait. Allez, salle d'opération. Ça devrait le faire normalement. Ouais, c'est bien ça. Ok, j'ai trouvé pour la réputation. Eh, pep, pep, elle est déjà là, l'urgence, là. Allez, 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 on y va, là. Il faut vraiment pas que je me loupe sur cette urgence. Ok, très bien. Allez, vas-y. Pourquoi tu peux pas y aller? Ah, il y a un banc qui bloque. Ok, il y a un banc qui bloque ici. Voilà. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Il y avait un banc ici, il empêchait le passage. Donc normalement, ça devrait être résolu. Voilà, parfait, ils y vont. Ok, très bien. Bon, ben voilà, c'est pas mal tout ça. Pop, 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 pop. Non, je renvoie le patient. Ok, la réputation augmente tout doucement. Il faut pas que je les envoie en recherche, en fait. Apparemment, c'est ça qui fait bugger le truc. Quand vous envoyez quelqu'un en recherche, ça vous fait perdre 100 de réputation. Donc, bah écoutez, on prend pas de risque. Bon, par contre, l'argent est vraiment pas génial. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va aller. Ok, voilà. Ça commence à arriver tout doucement, mais sûrement. Voilà, les patients arrivent. On va tout de suite d'ailleurs embaucher encore du personnel. Un dans la mécanique. Voilà, parfait. Ça m'a bien rapporté, ça. Super, 3 000 $ d'un coup. Ça fait plaisir. Hop. Ok, très bien. Alors, toi. Je renvoie. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Allez, chirurgien en salle d'opération, ce serait sympa d'y aller tout seul comme un grand. Ok, ça y est, allez, c'est le bilan de la première année, on y va. Donc je suis premier, tu sais, la gloire, ça c'est plutôt pas mal. Bon, par contre j'ai pas d'argent, les plus hauts salaires c'est moi. Les décès, j'en ai déjà un, guérison, je suis premier. Aïe, 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 il y a du noir. Plus 4000, moins 25, plus 25, et toujours la maintenance des machines. Ça, c'est un truc, je m'y ferai pas. Hein. Il n'y a pas de mystère, je ne m'y ferai pas. Oh là 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 là, c'est pas terrible. Moi, j'ai repris des parts de marché. Il faut vraiment que j'essaye d'avoir de l'argent cette fois-ci. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Allez, les recherches, là. Les recherches, ce serait pas mal que ça avance. Amélioration, on va supprimer. Allez, on y va. Voilà. Un médecin est demandé au bureau. Ce sera beaucoup mieux comme ça, je pense. Une infirmière est demandée en salle des malades. Voilà, d'avoir de nouvelles maladies, c'est nettement mieux. J'envoie surtout pas en recherche. Un médecin est demandé au bureau. Alors, est-ce que j'ai pas de nouvelles choses?
Thaïlande, c'est fait. Gonflage, c'est fait, gonflage. Ouais, gonflage, c'est fait. Fracture, c'est fait. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, rayon X, super. Ah, j'ai pas fait la cardio non plus. Ouais, j'ai plein de trucs à faire. Ça y est, j'ai de nouvelles machines, j'ai la cardio. Faut que je la fasse absolument, la cardio, c'est très très important. Hop, on y va. Radiateur, poubelle. Voilà, là ça va me rapporter de l'argent, ça par contre. Ça c'est pas mal. Et Dieu sait que j'en ai besoin, parce que là on est vraiment dans le rouge. On est vraiment dans le rouge, il me faudrait la cardio aussi. On va essayer de faire un petit crédit encore une fois, mais là, il faut que je me méfie parce que je commence sérieusement à aller dans le rouge. Et pourtant, j'ai vraiment besoin de ce matériel-là, de cardio. Où est-ce que je peux le mettre, celui-là? Tiens, regardez ça, on va le mettre pile-poil ici. Hop, voilà, parfait, très bien. Plein de petites pièces exprès pour ce genre de... De salle. Hop. Voilà, parfait. Ok, très bien. Des radiateurs, ils veulent. Bah, s'ils veulent des radiateurs, on va en installer. Pas de souci avec ça, moi ça me dérange pas. Voilà, on en met là. Il y en a peut-être pas assez ici non plus. Voilà. J'espère qu'avec ça, ça vous plaira. Ok, très bien. Très 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 bien. Tout ça, ça avance bien. On va d'ailleurs en profiter pour sauvegarder. Hop, sauvegarde numéro 1. Ok, gonflage, c'est bon. Ah, j'ai même de la place ici pour construire quelque chose. Est-ce que j'ai fait la psychiatrie? J'ai pas fait la psychiatrie. Dites-moi pas que j'ai pas fait la psychiatrie depuis le début. J'ai pas fait la psychiatrie, truc de malade. Oh là là, bah ça m'étonne pas que j'aie pas d'argent. Allez. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. J'ai pas assez d'argent pour la psychiatrie, mais ça devrait arriver. J'espère que ça va arriver, en tout cas. Allez, s'il vous plaît, psychiatrie. Un équipement analyseur vient d'être recherché avec succès. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, j'y crois pas que j'ai pas fait la psychiatrie, quoi. C'est vraiment la base, en plus, quoi. Non. Allez, s'il vous plaît, un peu d'argent. Un peu d'argent pour la psychiatrie. Allez! Ouh, si, ça y est, c'est bon. Allez, c'est arrivé. On lira ça plus tard. Psychiatrie, là voilà. Eh ben, décidément, ça a été laborieux. C'est bon. Oui, effectivement, sans psychiatrie, on perd énormément d'argent, puisque c'est quand même une salle qui carbure. Et c'est vraiment une source de revenus qu'on ne peut se passer. Ok, ah, apparemment, il y a une urgence. Allez, j'accepte. Je sais pas ce que c'est, mais j'accepte. Par contre, il faudrait peut-être un psychiatre. Je suis pas sûr d'en avoir un. J'espère que j'en ai un psychiatre. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Est-ce que j'ai un psychiatre? Ouais, j'en ai un. Ouf, c'était chaud. Ça, c'est, je vois pas grand-chose. Alors, c'est quoi ça? En route pour pharmacie. Ok, pharmacie, c'est parfait. J'en ai deux. Donc c'est pas un problème. Elles sont où, les pharmaciennes? Allez, on y va. Hop. Pharmacie. Bon, ok, ça va le faire. Ça va le faire, et en plus ça rapporte de l'argent. Donc ça, c'est très très bien. Ok, c'est très très bien, regardez, la réputation qui augmente bien, 530, ça y est, on est repassé dans de bonnes choses. Ok, allez, je vais arrêter là l'épisode pour aujourd'hui, ça se passe vraiment bien, on a repris du poil de la bête, ça a été délicat au début en termes d'argent, mais vous voyez, l'argent commence à arriver, la réputation augmente, je suis sûr qu'on a bouffé un peu des parts de marché d'ailleurs. Voilà, on augmente notre petit camembert de parts de marché, la salle d'opération tourne, les urgences tournent, tout fonctionne très très bien. J'avais oublié la psychiatrie évidemment, du coup ça m'a coûté pas mal d'argent au début, mais ça a l'air d'aller nettement mieux. Allez, j'arrête là, je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette série sur Time Hospital. À la prochaine, salut à tous.